Salut à toutes et à tous, amis de la forme et du bien-être. Alors, il y a bien longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, donc je vais vous donner l'explication. Donc, il y a effectivement pas mal de changements. On a arrêté il y a 3 mois les vidéos parce qu'on avait on a un partenariat, enfin une affiliation plus exactement avec les compléments alimentaires Eric Favre, que je tiens d'ailleurs personnellement à remercier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai contacté le 31 décembre, j'ai envoyé un message pour un partenariat à plusieurs grandes marques, dont Eric Favre. J'ai eu peu de réponses. Eric Favre m'a, le lendemain, le 1er janvier, m'a répondu avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, en me donnant les coordonnées de la personne qui s'occupe maintenant dans ce labo d'Eric Favre des compléments alimentaires, puisque manifestement il n'a plus la main. Donc on a lancé effectivement donc l'affiliation. Vous aviez un code permanent 10%, etc. Des produits de qualité. Hein, ça là-dessus c'est absolument indéniable. Mais ce qui s'est rapidement passé, c'est qu'il y a eu une pénurie sur beaucoup de compléments que je conseillais. Donc, ça devenait plutôt embêtant, c'est toujours d'actualité. Voilà, donc j'ai eu pas mal de messages. Au départ, les gens m'ont demandé, en fonction de leurs objectifs, que je les conseille sur tel ou tel complément, ce que ça pouvait leur apporter. Hein, vous savez que je cible plutôt la forme, le bien-être, la santé, d'optimiser aussi mes entraînements. Je m'adresse à des gens qui ont plus de 40, 50, voire 60 ans et plus. Donc, effectivement, l'addition de toutes petites choses et compléments alimentaires va aider à poursuivre les objectifs dans le bien-être, de bien sentir ses entraînements, enfin bref, etc., le côté nutrition. Donc je passais beaucoup de temps à conseiller sur, par exemple, qu'est-ce que ça apporte, les oméga-3, etc. Donc les gens commandaient. Et puis j'ai eu rapidement des messages. Voilà, bonjour Christophe, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous pensez de la citrulline, pardon. De la spiruline bio, en ce moment il y a une promo, vous avez un code moins 20%, etc. Donc je donnais mes renseignements. Et puis finalement, on reçoit un message, un très grand merci Christophe, m'aperçoit hélas que ce produit n'est actuellement plus disponible, etc., etc. Et c'était récurrent avec les oméga-3, c'était récurrent avec beaucoup de produits, donc il y avait une pénurie. Moi, la créatine, moi qui suis un consommateur de créatine, j'ai jamais réussi, depuis le lancement d'affiliation, à avoir la créatine. La whey, poire chocolat disponible, etc., etc. Donc on n'arrivait plus à avoir les produits. Donc j'ai, comme vous le voyez, voilà, ça s'est fait hier soir, c'est vraiment tout frais. J'ai lancé un message la semaine dernière. Alors pourquoi Prozis? Parce que je commande 90% de mes produits chez eux, malgré l'affiliation, puisque j'avais plus accès avec la pénurie à ce que je consomme moi quotidiennement. Donc je me suis dit, je vais contacter la marque avec laquelle je commande et à laquelle je cuisine, avec laquelle voilà, mes produits culinaires, mes compléments alimentaires, et voilà, avec quelques photos, sans trop y croire, en espérant mais sans trop y croire. Et puis finalement, j'ai eu une réponse très rapide et on a proposé effectivement un vrai partenariat professionnel. Donc je suis avec Christelle, on est hyper content, hyper satisfait. Donc voilà, donc j'ai pas encore fait de commande, c'est absolument tout frais. D'ailleurs, en parlant de tout frais, on va vous montrer un peu ce qu'on a commandé aussi, ce qu'on commande en congelé chez Prozis, parce qu'on peut commander du congelé, c'est livré sous 48 heures. Enfin, c'est vachement bien foutu, je vous montrerai ma prochaine commande, je déballerai avec vous. Donc voilà ce qui s'est passé pour le partenariat. Donc, encore une fois, merci à Eric Favre pour ses messages de bienveillance. Son côté humain, un mec absolument gentil, formidable, enfin égal à lui-même pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux. Eric Favre, c'est quelqu'un de fabuleux. Hein. Donc voilà, ça s'arrête là, mais avec sa marque, pas avec lui. Hein, il y a absolument pour rien, il n'a pas la main là-dessus. Donc voilà. Donc moi, très 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 honoré de pouvoir collaborer avec une grande marque comme Prozis. Je vous fais une présentation rapide un petit peu de ce que j'ai. Puisque ça c'est... Là je vous baratine pas. Hein. Sur les farines, donc ils ont une gamme de farines naturellement sans gluten incroyable, donc là il me reste de la farine de banane, ils ont de la farine de châtaigne, ils ont de la farine de sarrasin, ils ont de la farine d'amande. La farine d'amande c'est une tuerie, c'est juste une tuerie.
Voilà, donc toutes leurs farines sont naturellement sans gluten, sont bio. Donc voilà, idéalement pour moi, c'est génial de pouvoir cuisiner avec des farines complètement différentes. Enfin, il y a plein de saveurs. Voilà, donc Prozis, en fait, c'est un immense supermarché où on y trouve absolument tout ce qu'on veut. Complément alimentaire, vestimentaire, aide culinaire. Enfin, c'est absolument incroyable. Allez voir sur Prozis, sur le site de Prozis. Baladez-vous, alimentation saine, bio, sans gluten, sans lactose, sans fromage. Il y en a vraiment pour tous, en fonction des objectifs, etc. Donc c'est formidable de pouvoir collaborer avec une gamme pareille. Ça, par exemple, alors ça c'est une tuerie. Ils ont des glaces pauvres, riches en protéines, pauvres en sucre, c'est juste une tuerie. Donc vous recevez ça en 48 heures dans une espèce de grande glacière bien fermée avec des paquets d'azote. Donc ça se garde plusieurs jours. Voilà, donc ces glaces-là, ça c'est une tuerie. Je crois que c'est choco-noisette. Voilà, donc elles sont formidables. Alors, pour ça, c'est pas que pour moi. Moi, mon péché mignon, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, pourquoi ? Elles sont bio et sans gluten. Alors, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Elles sont juste incroyables. Incroyables. Franchement, c'est juste une tuerie. Voilà, donc, voilà ce que l'on peut trouver. Voilà, moi qui mangeais absolument plus de glace, parce que d'abord, ça me rendait malade. En plus, elles sont hyper grasses, hyper sucrées. Bon, c'est pas du tout ce que je recherche. Et là, bah, on peut se faire plaisir. Voilà, sans trop culpabiliser. Alors évidemment, je ne bouffe pas le pot le soir, hein, mais je me fais plaisir avec quelques cuillères, c'est fantastique. Voilà, donc je cuisine beaucoup. Alors ça, c'est ce que je commandais en dehors hein, du partenariat que j'avais. Ça, pour moi, c'est super pratique. À la bouilloire, je me fais mon porridge le matin. Voilà, je me mets ma whey dedans. J'utilise aussi la poudre de maca bio, la soie Amanda. Bon, tout ça, c'est pour leur vertu santé. Hein. Je vais pas trop faire une vidéo pas trop longue. J'aurai le temps, si vous le souhaitez, de m'exprimer sur les vertus de l'ashwagandha, le maca, etc., sur la thyroïde, notamment, etc. Voilà, l'été, j'ai testé la L-carnitine. Je trouve qu'il y a de bons effets. J'ai également testé ça avant l'entraînement, quand j'ai vraiment... Je voulais vraiment tester juste avant l'entraînement, comme il le préconisait. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc ça, je vais continuer pour moi à l'utiliser avant l'entraînement. Ça fait à peu près, je l'ai testé pour partir en vacances, ça fait à peu près un mois. Donc le Big Shot, c'est un pré-workout. Alors moi, je le prends sans caféine. Voilà, parce que je consomme 3 tasses de café. C'est largement suffisant, je trouve, pour moi dans la journée. Je vais pas au-delà, voilà, pour les problèmes surrénales, etc. Il y a le café bio, alors moi c'est le café bio, hein. Le café a des vertus sur la santé absolument incroyables, mais il faut pas que ce soit excessif, voilà, notamment pour les surrénales. Donc je prends le Big Shot, donc c'est de la bêta-alanine, de l'arginine, il y a de la créatine créapure, voilà, moi je le prends sans caféine, et j'ai très très bons résultats. Je mélange de ma citrulline avec. Voilà, donc ça c'est en pré-workout, je prends 3 grammes de citrulline, entre 3 et 6 grammes de citrulline, ça dépend, et ça c'est pour la congestion. Pour moi ça marche très très bien, voilà, je congestionne bien, j'ai un bon ressenti du coup avec ce petit mélange. Mélatonine, donc en fait j'alterne le soir plein d'endormissement. Le tryptophan, voilà, j'en prends entre 5 et 600 mg dans un verre d'eau juste avant d'aller me coucher. Voilà, c'est précurseur, le tryptophane est précurseur de la 5-HTP qui est elle-même précurseur de la mélatonine. Voilà, j'alterne en fait en fonction des sensations. Donc plutôt en période Covid, j'ai utilisé uniquement la mélatonine parce qu'en plus d'avoir des vertus forcément pour une qualité de sommeil et une bonne récupération, notamment dans la lutte contre les virus, ça a été démontré également. Voilà. J'utilise donc la créatine créapure, ça c'est très important, hein, donc, très important, pardon. Donc voilà la créatine que j'utilise. Donc voilà, alors comment je prends la créatine? Il y a plusieurs suggestions. Il y en a qui prennent tout le matin, donc c'est plutôt ce que je fais en ce moment.
Voilà, je prends mes 3 grammes le matin. D'autres prennent, leur répartissent leurs 3 grammes dans la journée. D'autres, après l'entraînement, prennent entre 3 et 5 grammes. Bon, à vous de tester ce qui vous convient le mieux, finalement. Et puis, et voilà, moi, je prends tout le matin. Je pense que je vais plutôt revenir à quelque chose de plus conventionnel, à répartir dans la journée les jours d'entraînement. Voilà, je pense que c'est ce qui me réussit le mieux. Et ce que je mélange, j'ai oublié de vous dire, ce que je mélange avec le Big Shot, la citrulline, voilà, j'ai testé les EAA. Alors, contrairement aux BCAA, les EAA, en fait, contiennent, c'est tout un ensemble d'acides aminés qui contiennent déjà aussi les BCAA. J'ai un meilleur ressenti, je fatigue moins en fin d'entraînement, je trouve, avec les EAA. Donc, à vous de tester, moi, c'est ma préférence. Alors, moi, j'ai pris le goût neutre, mais il y a des goûts, des arômes plutôt sympas aussi. Voilà, donc moi, l'acidité ne me pose pas de problème dans mon shaker. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et puis oui, avec Prozis, c'est que vous allez recevoir aussi des cadeaux avec mon code promo, et ça, c'est super intéressant. Et moi aussi, je vais pouvoir aussi vous récompenser en fonction de vos commandes. Voilà, je pourrais récompenser de temps en temps ceux qui commandent régulièrement. Voilà, avec des petits cadeaux comme, alors là je prends un exemple, hein, mais bien sûr il y a plein d'autres choses. Là, les petits sachets sympas, là c'est vitamine, un complexe de vitamines et de magnésium à mettre dans sa bouteille d'eau à répartir dans la journée. Voilà, donc ça c'est des choses que je pourrais, des cadeaux que je pourrais faire aux gens qui commandent. Voilà pour le partenariat dont on est très fier avec Prozis. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je suis plutôt satisfait, plutôt fier. Et enfin, je vais avoir accès aux compléments que je souhaite. J'en ai testé plein, bien entendu, depuis des mois. Je teste toute une gamme, cette gamme-là notamment. Et puis, bah, le mieux, c'est de faire des vidéos d'entraînement plus régulièrement. Je pense qu'à partir de septembre, je vous montrerai qu'on peut encore progresser. Alors pas en 90 jours, hein, bien évidemment. Hein, voilà, c'est un petit clin d'œil à des youtubeurs qui vous font croire qu'on peut devenir Monsieur Olympia en 90 jours. Non, la prise de masse faut des années. Donc, moi, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Il faut arrêter de raconter des conneries. Ce serait bien que les neuneux qui regardent ce genre d'individus reviennent un petit peu à des choses plus ou des youtubeurs beaucoup plus sérieux. Donc je les invite à. Je fais de la pub pour personne. Je vais forcément en oublier. Il y a des gens forcément hyper sérieux dans ce métier, fort heureusement. Donc si vous pouviez lâcher un peu les pompes à vélo de côté et puis aller voir des gens sérieux comme Michael Gundil, Anthony West, que je suis depuis ses débuts, c'est un jeune que j'adore. Donc c'est Anthony West, c'est AW Coaching. Il y a Rudy Koya, il y a Fred Delavier, bien entendu. Donc Gundil, je l'ai cité, Nutrimuscle Conseil. Plein d'autres, il y a Juanito Coaching. Donc il y a vraiment de quoi... se cultiver, s'instruire, voilà, donc essayez de mettre les pompes à vélo de côté, et vous verrez que ces mecs-là sont tout à fait sérieux, c'est des vrais professionnels, ils savent de quoi ils parlent, et ils n'ont pas construit leur physique en 90 jours, bien évidemment, et en plus ils ont une ligne de conduite, une ligne directrice, je dirais, qui est toujours la même, quoi. C'est pas un jour, ils s'entraînent pas, ils vous conseillent pas sur une vidéo de vous entraîner à jeun, parce que c'est le meilleur truc, et la vidéo suivante, surtout, ne sautez pas le petit déjeuner du matin avant l'entraînement, vous voyez, donc ce genre de choses. Essayez de faire un peu de tri entre les pompes à vélo et les gens sérieux. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, c'est vraiment hyper gonflant. Surtout qu'en plus, ils parlent de choses dont ils connaissent absolument pas, dont ils n'ont même pas la légitimité de parler, et ils n'ont même pas l'honnêteté intellectuelle de citer les auteurs des études, de liens sur les études, bref, ils prennent tout ça à leur compte. Ça, c'est, je trouve ça inacceptable et tout à fait irrespectueux pour ceux qui bossent. Voilà. Ça, c'était mon petit coup de gueule. Donc, amis de la forme et du bien-être, n'hésitez pas à commenter. Et puis, si vous voulez des vidéos, alors je ferai des vidéos en septembre. Alors, pourquoi en septembre? Alors, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, notamment pour le montage pour Christelle. En fait, je suis en rééducation jusqu'en fin septembre. En fait, pour ceux qui l'ont peut-être remarqué, qui ont l'œil sur les vidéos d'entraînement, je suis handicapé d'un bras, très handicapé d'un bras, puisque j'ai perdu une partie de la sensibilité du bras, quasiment totalement, et le nerf moteur est atteint, donc j'ai effectivement une déficience motrice très sévère. Ces derniers mois, ça s'est aggravé, c'est lié à un accident que j'ai eu en 2015, ça s'est aggravé.
Donc là, je suis en rééducation. C'est pour ça que les vidéos que vous voyez en ce moment, ce sont de vieilles vidéos qui datent du début de l'année. Les seules vidéos récentes sont celles qui concernent le bas du corps et les abdos. Alors pour le haut du corps, bah, je me débrouille, on voit avec le kiné, etc. Il y a de bons résultats, mais voilà, je voulais aussi que vous sachiez que même si on est handicapé, fortement handicapé comme moi, on peut continuer à adapter son entraînement et continuer à être passionné, s'accrocher, progresser, parce que ça c'est le... Voilà, et puis prendre son panard, quoi. Prenez votre pied à vous entraîner, prenez soin de vous, et puis voilà, quoi. Et puis utilisez... sachez utiliser à bon escient les compléments alimentaires pour aller le plus loin possible en bonne santé. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez, des sujets, que je fasse des vidéos sur des sujets bien particuliers, sur un complément alimentaire, etc., ses vertus, comment le prendre, etc. On va démarrer tout ça maintenant que tout ça est bien scellé et bien parti. Voilà, donc je vous embrasse tous. Amis de la formule bien-être, à bientôt, prenez soin de vous, et bon entraînement, et puis prenez votre pied cet été à manger des bonnes choses, il y a vraiment très très bonnes choses à manger, et donc ne vous privez pas, faites attention, mais ne vous privez pas quand même. Allez, ciao, salut!